Le diable, pour ma damnation, m'a laissé entrevoir la scène par l'ouverture des rideaux. Il a, en se joignant de moi, soulevé le bord du voile qui cache la vie. Oh, pas longtemps, juste à peine ce qu'il faut pour me laisser appréhender ce qui est de l'autre côté. Et aiguiser et mettre en branle la curiosité. Cette soif qui noya Ève, notre mère, dans le péché. Juste à peine pour entrevoir la fascination de la nuit, la splendeur du jour éternel, l'étonnante réalité. Juste à peine pour que j'entende le cœur des oiseaux et des fées, l'harmonie universelle de ses couleurs et de ses chants. Et je reste là, dans la salle, les yeux ouverts, les oreilles attentives, affamé, rongé d'attente. À mesure que le désespoir grimpe en moi, séché de soif et de cette attention vers la commissure des rideaux, me disant « Est-ce le moment? » Voilà! Les rideaux vont s'écarter. Je vais voir, je vais entendre, je vais toucher des yeux de la vie. Un frisson court dans les rideaux. Ils vont s'ouvrir. Sois attentif. Cela ne durera peut-être qu'une fraction de moment, qu'un sourire, un sanglot, qu'un bond. Voilà le temps. Les rideaux bougent. Mais rien. Peut-être un courant d'air. Un frisson d'air à la surface. Et puis après, quand c'est trop long, vraiment quand ça n'a plus d'être fermé, quand on est épuisé jusqu'au bout d'attendre, je dis à mon cœur, non, viens-t'en. Tu sais bien que tout cela est une mystification, un piège, une plaisanterie. Tu vois bien, regarde-nous, ce que nous mourons ici. Viens-t'en, mon cœur, allons-nous-en. Mais au moment où mon cœur cède, qu'il n'a plus la force de résister, qu'il est malade comme exsangue, au moment où le prend le goût de guérir, de sortir, de respirer, de s'adoucir, de résigner. Voilà que les maudits rideaux s'écartent, laissent apercevoir encore le jour, encore la nuit, et laissent s'échapper le chant, une maladie commencée, une aurore qui s'avance à peine, une lumière qui s'en vient, un beau contour qui se précise dans une danse esquissée. Quelle extase! Nous sommes ivres, mon cœur et moi, nous sommes fous, et nous demeurons dans la salle, quoique le voile soit tombé, et nous regardons avidement. La place maintenant bouchée, les rideaux maintenant fermés, va-t-il s'ouvrir bientôt? Demain? Et le diable continue ainsi toujours à 100 reprises son manège. Je l'entends rire dans les coulisses, et s'amuser de notre mort à petit feu. À mesure qu'il voit surgir la folie au fond de nos yeux agrandis. Il sait bien que nous sommes dupes, et c'est son plaisir. Nous le savons aussi d'ailleurs, mais nous ne voulons pas y croire, tout à fait parce qu'il faudrait renoncer et s'en aller, alors que le voile sera peut-être levé dans un instant, et pour toujours.